samedi. Et une fois de plus, vous verrez qu'on a vraiment tout essayé, même sans le patron. Je vous demande de faire un accueil chaleureux à la bande à Lolo. Valérie Mérès, Christophe Alévèque, Caroline Diamant, Elsa Fayet, Stevie Boulet et Gérard Miller. Alors, comment ça va, Christophe? Ça va très bien, maîtresse. On t'a pas trop manqué la semaine dernière? Oh, si, si, vous m'avez beaucoup manqué. Bon, les autres, ça va, la forme? Super. Ah oui. Ah ouais, nous, on était là, donc aucun respect. On est là toutes les semaines, donc voilà. Et les autres, ça va. Bon. En tout cas, j'espère. J'espère que c'est une femme qui va gagner ce soir au Bayon, puisque nous allons peut-être avoir un jour une femme présidente et vous allez... En bavé, les garçons, c'est moi qui vous le dis, on passe au Bayon Fort. Alors attention, écoutez bien la question. Que vont faire des souris blanches aux Jeux Olympiques de Pékin? Elles vont décider le drapeau pékinois. Pas du tout. Elles vont allumer la flamme. Pas du tout, c'est pour des questions de sécurité. C'est des questions de sécurité. Elles seront utilisées par la police. Elles seront utilisées par la police pour des questions de sécurité. Alors, oui, mais attends, parce que Gérard... Oui, c'est effectivement pour des questions de sécurité que ces souris blanches... Notamment pour les gaz, pour toute une série de choses qu'elles repèrent. Bravo, Caroline Diamant. Les souris blanches vont tester la nourriture des athlètes. C'est toi qui as l'immunité. Valérie, tu votes pour qui? Pour Christophe, parce que je l'aime. Gérard. Christophe aussi, parce que je ne l'aime pas. Elsa. Nous allons... Non, non, là, t'as pas le droit. Je trouve que c'est pas bien que vous fassiez des choses comme ça. Moi, jamais j'aurais fait un truc comme ça. Je suis témoin qu'à chaque émission du samedi, elle venait dans ma loge pour faire des alliances. Alors, contre qui tu votes? Elsa. Elsa. Caro. Elsa. 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 C'est donc Caroline qui va désigner. Je vais décider. Alors, attends, j'ai le choix entre Christophe et Elsa. Je garde mon vote contre Elsa. Au revoir. Au revoir, Elsa. Pourquoi les Français qui se rendront dans une ville du nord-est de la Bosnie penseront-ils forcément à Serge Gainsbourg? Parce qu'ils ont érigé une statue. Parce qu'il est né là-bas, parce que son père est né là-bas. Parce que cette ville s'appelle Gainsbourg, justement. Non. Parce que cette ville s'appelle Javanaise. Non. En réalité, ça n'a pas beaucoup de rapport non plus avec Gainsbourg. Ouais. Ah, c'est juste un musicien, plutôt. Non, avec la musique. Ça doit évoquer ce monument qui va être érigé. Parce qu'il y a une feuille de chou. Les oreilles. C'est les oreilles. Chaque fois, je suis tout près de toi. C'est les feuilles de chou, c'est moi, je trouve. Voilà, bonne réponse, allez. Tu as gagné, Gérard, bonne réponse. Parce qu'on va ériger dans cette ville bosniaque un monument... À tête de chou, mais aussi pourquoi? Parce que le chou est une des spécialités culinaires locales. Stevie, contre qui tu votes? Valérie. Caro. Contre Valérie? C'est le hasard. Christophe. Oh non, c'est pas... Attends, je réfléchis. Ou Valérie? Oh non, quand même, c'est pas gentil, Christophe. Valérie. De toute façon, ça sert à rien. Oui, là, je crois que... Caroline, Gérard, Caroline. Au revoir, Valérie. T'as intérêt à trouver, Gérard, ce coup-là. Yaël Nesri a été exempté par ses supérieurs hiérarchiques du port du fusil automatique pendant son service national en Israël. Pourquoi? Parce qu'il avait une maladie, il avait la maladie de Parkinson. Pourquoi tu fais ça? Parce qu'il avait la maladie de Parkinson. Non, mais... Parce qu'elle n'a qu'un bras. Qui a dit la maladie de Parkinson avant? Moi, j'ai dit maladie de Parkinson avant. Ça n'a rien à voir. Parce que... Est-ce que c'est Roswell Jacob? Mais enfin, mais pourquoi vous parlez de maladie? La piste est automatique, bah, tremble, et qui vous a induit cette notion de tremblement? Ah, il s'est tiré dans le pied. Il a tué son supérieur. C'est une fille. Parce qu'elle avait pas de ketchup. Parce qu'il lui manque.
qu'un bras. Non. Parce qu'elle est enceinte et qu'elle ne peut pas. Parce qu'elle est aveugle. Non. Non, parce qu'elle est sourde. Est-ce qu'elle a un handicap? Arrêtez avec cette pauvre fille. Est-ce qu'elle a un handicap physique? Non. Est-ce qu'elle a un handicap mental? Non. C'est une décision liée à sa carrière. Parce que plus tard, elle va faire quelque chose. Elle veut être présidente. Elle veut être rabbin. Non. Présidente. Non, mais réfléchissez, je donne un indice. Elle va être mère de famille. Donc, d'abord, c'est une décision liée à son physique, premier indice. Deuxièmement, c'est une décision liée à sa future carrière. T'es pas loin. Elle va être présentatrice télé, présentée JT, elle va être chirurgienne. Elle va être chirurgienne. Alors, chirurgien, elle va être chirurgien. Non, j'étais plus près. Elle va être Miss Israël. Effectivement, elle veut. Elle va faire. Bon, allez, je t'accorde la réponse. Caroline Diamant, exemptée du port du fusil pour préserver ses jambes. Parce que c'est une femme qui va devenir mannequin et on veut effectivement qu'elle préserve. Quel rapport entre le fusil et les jambes? C'est pour ça que je ne tire plus non plus. Eh bien, quel rapport? C'est bizarre, pour protéger ses jambes. Écoute, les jambes. Alors, tu as gagné, tu as l'immunité. Stevie, contre qui est-ce que tu votes? Gérard Miller. Gérard Miller, Caro. Gérard. Et Christophe. Mimi. Au revoir, Gérard. Alors là, maintenant, vous allez voir ce qu'il reste de la famille. Ouais. Un nain acrobate qui faisait du trampoline dans un cirque thaïlandais est mal retombé. Que s'est-il passé au moment de sa réception? Un éléphant passé dessus. Il s'est fait écraser par un éléphant. Mais non, c'est pas difficile. Quelqu'un a retiré le trampoline. Non. Il est tombé sur quelqu'un? Et on peut dire qu'il est tombé sur quelque chose qui est... Il va être tombé tigre. Sur le... Pas sur un tigre. Sur un lion. Non. Une sur chaîne. Un chat. Un dragon, une licorne. Sur un pinard. Mais qu'est-ce que c'est incroyable, ça? Est-ce que j'ai dit qu'il s'agissait d'un félin? Mais je n'ai pas, je n'entends rien, ce que il tu dis. Il est tombé. Monsieur Loyal. Non, il est tombé. Sur sa femme. Sur le canon qu'il a lancé. Il est tombé sur un os. On a certainement entendu déglutir tous les spectateurs et pas que les spectateurs. Sur la bite, pardon. Mais non. Mais non, car en plus... On dit phallus. Je reprends. Sur le sexe masculin. Non, il est tombé sur un animal, enfin. Mais qu'est-ce qu'il est tombé sur? Un dromadaire. Sur la truie. Un chameau. Non. Sur la bosse du dromadaire. Un tigre. La un ours. Non. Un pigeon. Un ours. Mais un attendez. Caniche. Mais réfléchissez. Un chien. Un chien. Un cochon d'Inde. Taisez-vous. Écoutez-moi. Écoutez-moi. Non. Il est... Écoutez-moi, pour que ça se soit mal passé, il n'est pas forcément tombé dessus. Dessus, il aurait été amorti. Eh bien, il est tombé dessous l'hippopotame. Pas dessous. Dans sa gueule. L'hippopotame sur la dans sa gueule, oui, bonne réponse de Stevie. C'est l'hippopotame. Il a dit dans sa gueule. Je sais que c'est pas c'est Stevie qui a dit dans la gueule. J'ai dit l'hippopotame. Stevie, tu as gagné cette épreuve, donc tu es le baillon fort. Qui tu élimines? Tu peux pas faire ça. Caroline. Caroline, Caro. Christophe. Christophe, Christophe. Au revoir, Caroline, attention. Bon, alors attention. Ouais, il ne reste plus que vous deux. Quelle solution le lycée Albert Camus de Nîmes a-t-il trouvé pour lutter contre l'absentéisme? Il paye les élèves. Non. Des jeux. Non. Des filles. Non. Qu'est-ce qu'on peut faire? Des hippopotames. Ah, des puces électromagnétiques. Pas des puces électromagnétiques. Des ordinateurs. Non. Ils sont reliés par satellite. Des codes barres. Oui, des... Mais t'es... Des... Qu'est-ce qu'ils ont? Des codes barres. Bravo, Christophe Alemet. Je suis trop fort. Christophe, c'est à toi que revient l'honneur d'accueillir Danny Boone. Merci. Non, et nobe,
Bouninade, Danny Nobo, Daniel Amidou, oui, de son vrai nom, nous a fait l'amitié de Venidou, où on a tout essayé, sans le patrou. Les foufous de Sabandou sont tous et c'est tout à l'espace. Voici, voici l'homme au cas où, entrée de, eh ben oui, de Danny Boone. Alors, Dani, bonjour. Bonjour. Alors, vous venez pour un DVD ça, qui c'est le don. Vient de sortir. C'est le don. Pas grave. Vas-y. Vous venez pour un DVD qui vient de sortir. Merci d'être là, Elise et Moon. Alors, j'ai des petits problèmes pour la promo. C'est pas mal, patron. Je suis, moi, je suis stagiaire dans ce. Oui, d'ailleurs, j'étais en coulisses, je regardais l'écran, je dis, mais il est où, Laurent Ruquier? C'est le truc horrible, c'est le mec, il croit que c'est Laurent, c'est moi, il peut pas me blairer, c'est l'horreur. Non, mais pour faire la promo, ils viennent quand même. Non, c'est pas sympa. Non, il est pas comme ça, il vient même sans promo, lui. Donc voilà, tu viens pour la sortie du DVD qui s'appelle Weka. Et alors, merde de regarder mes fiches. J'ai regardé le DVD hier soir, mais arrête de regarder là-bas. Ah bon, d'accord. C'est hyper. Avec Laurent Ruquier, on pouvait regarder où vous voulez. Un bisou, voilà. Donc, le DVD est sorti le 14 novembre. Et ce que je voulais te dire, Dani, c'est que je l'ai regardé hier soir avec ma fille de 14 ans. Alors, il y a eu un miracle. C'était la première fois depuis 6 mois qu'on tombait d'accord sur quelque chose. Oh, c'est classe. Danny Boone est drôle. Et donc, je propose que toutes les femmes et les hommes qui ont une ado rebelle à la maison mettent ça 5 minutes quand il y a un conflit. Non, je vous jure, tout le monde se réconcilie. Alors pour ça, je voulais vous dire merci. On va merci beaucoup. Extraordinaire. Alors, on regarde un extrait et après, on leur demande ce qu'ils en ont pensé tout de suite. Voilà. La poste. La poste, mais rien que la pub de la poste. Bouger avec la poste. Ceux qui ont écrit cette pub, ils sont jamais allés à la poste, hein. S'il y a bien un endroit sur Terre où ça bouge pas, c'est à la poste, hein. C'est vrai, faut au minimum 2h30 pour faire peser timbrer une lettre. Moi, je connais des gens, ça les angoisse tellement qu'ils portent leur courrier eux-mêmes. Ah, tiens, c'est pour toi, tiens. C'est une carte postale des vacances. Le retrait de recommandé. Ça, c'est une invention de vicieux, ça, le retrait de recommandé. Parce que quand on y réfléchit bien, à la poste, le recommandé, il paye quelqu'un pour l'amener jusqu'à chez toi pendant les heures où tu travailles. Et comme t'es pas là, ils repartent avec. EDF, c'était une des plus grosses entreprises françaises. Hein, ça marchait à fond. Mais ils ont trop dépensé d'argent pour la pub. Justement, des pubs magnifiques, depuis 30 ans qu'on connaît tous, hein, magnifiques, des pubs géniales. Ils ont dépensé tout leur argent dans la pub alors qu'ils avaient le monopole de l'électricité. On était tous abonnés. Faire de la pub alors qu'il n'y a pas de concurrence, faut être un peu con. Non, parce que c'est des décisions de grands patrons, ça. C'est des grands patrons qui ont fait des grandes écoles, ils sont nommés par l'État. Hein, des grands patrons qui ont fait des grandes écoles pour faire des grandes conneries. Ne quittez pas, nous recherchons votre correspondant, nous allons donner suite à votre appel. Et je re-ris. Alors, qu'est-ce
que tu en as pensé, ma chère Valérie? Mais moi, j'avais vu Dany à l'Olympia, ouais, et j'avais adoré. J'avais adoré. Le DVD, il est très bien, mais quand il est devant nous pour de vrai, c'est encore mieux, quoi. Cela dit, il faut acheter le DVD, hein, si tu veux. Mais bon, enfin bon, c'est extraordinaire, quoi. Elsa? Moi, je voulais vous dire que je fais partie un peu comme vous de la génération des traumatisés du Kawaii. Et merci, quand même, d'avoir. Vous avez libéré nos démons, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu un jour où il a pas. Ma mère a pas regardé le ciel en se disant « Je crois qu'aujourd'hui va pleuvoir, Elsa, tu prendras ton kawaii ?» Oui, ce qui est terrible, c'est qu'on devait le mettre même quand il pleuvait pas, au cas où. Au cas où, mais oui, parce que c'est des petites pochettes. Si. Est-ce que c'est vraiment Patrick Sébastien qui vous a trouvé, qui vous a révélé comme comique, ou est-ce que vous avez déjà fait vos armes avant? Oui, enfin, non, j'étais au café de la gare dans une soirée qui s'appelait le Field, le Festival international d'expression libre artistique et désordonnée, wow. Avec Christophe Alévèque d'ailleurs. Ah ouais. Oui, on se connaît depuis, ça fait 15 ah ans bon qu'on se connaît. Oui, on, est, bah, on a démarré ensemble. On, est, ouais, on a fait nos classes ensemble. Mais c'est vrai qu'à l'époque, si on faisait la liste des noms de tous les mecs qui sont passés là-bas, ouais. Bah, c'est un peu tous les humoristes qu'on connaît maintenant et les comiques sont qui passés vas-y, par là. Par exemple, bah, Élie Kakou, Élie Semoun, Jean-Marie et Dieudonné. Jean-Marie et Dieudonné. Qu'est-ce que vous avez dit? Alors, vous avez à nouveau dans ce spectacle utilisé visiblement beaucoup de choses de votre vie privée. La voiture, par exemple, le sketch de la voiture, ouais, ça vous est pas arrivé? Je vous jure que ça m'est arrivé. Non. Je vous jure que c'est une histoire vraie. J'ai acheté une grosse limousine, une grosse voiture pour partir en tournée, ça, et chez Mercedes, à Tourcoing. Ça s'appelle Mercedes, que le M est tombé de l'aventure. Et au lieu de le remettre, il l'enlève de toutes les voitures. Et ils m'ont dit pourquoi, ce qu'ils trouvent plus l'escabeau. C'est pour ça qu'il est au lieu de le. Bon. Et donc, voilà. Non, je suis arrivé là-bas, j'avais donc embouti la voiture à l'arrière, on devait changer le pare-choc. Et je suis tombé. C'est un gars très gentil, Bibi, quoi. Bibi? Ouais, le chef d'atelier. Le chef d'atelier. Il s'appelle Bibi. Qui doit avoir 55 ans. Et il descend de sa voiture, il était comme ça. Il y avait un des employés qui avait fait un pot de départ. Il arrêtait, donc il avait picolé donc, du picombière. Hein, ça, parce qu'il était rouge picombière. Et le mec part avec ma voiture pour la mettre sur le pont. Et j'ai un petit doute, je me dis non, il a l'habitude et tout. Et il a raté le pont. Et il a mis à côté, et il a posé la voiture de travers comme ça, elle était comme ça. Et l'autre disait non, non, le patron disait non, Bibi, mais qu'est-ce que t'as fait à la voiture, Bibi. Monsieur Boum. Et lui disait cette phrase, il disait, c'est pas moi, c'est le pont qui a bougé. Et il était comme ça, tout est vrai. Christophe, t'as une question à Dany? On était assez beaucoup ensemble dans les débuts et tout de suite on a vu, parce qu'il a amené quelque chose de nouveau. C'était d'abord de parler de la dépression et je me disais putain, il fera jamais rire les gens avec ça, et moi je rigolais comme un con. Hey. Mais je pensais pas que les gens tu vois étaient aussi intelligents que moi, quoi, tu vois. Non, mais ça c'est très vrai, c'est-à-dire que je me souviens des premières affiches où ils étaient déprimés, et c'est vrai que c'était un risque incroyable de faire rire de ça, me semblait-il à l'époque. Ça n'est plus le cas aujourd'hui. Ouais, non, j'étais pas. C'est-à-dire que par exemple, le sketch du déprimé, je vais bien, tout va bien, je l'ai écrit. Je m'en souviens très bien. J'étais dans un appart. En fait, j'avais une copine et on se séparait. Et fallait que je m'en aille parce que c'était chez elle. Ça n'est pas bien, bien quand même. Non, mais je disais merde. C'est une bonne raison. C'est très emmerdant. Du coup, je savais pas où aller. Je disais, tu veux pas qu'on se réconcilie quand même un petit peu? On réessaye. Et j'étais vraiment dans une merde. Pour continuer à squatter chez elle. Et j'ai écrit ce sketch et tout le monde me disait, ça marchera jamais, ça marchera jamais. Même des producteurs qu'on connaissait, qu'on voyait, qui venaient me voir, me disaient, c'était drôle à 1000%, mais tes sketchs, c'est de la merde. On me disait, c'est non. Zéro. Je te jure. Si, c'est vrai. On me disait, c'est zéro. Ça, c'est monstrueux. Mais qui c'était, ces cons? Alors, attends. T'es obligé de dire des noms. Il y en a un qui va se reconnaître. C'est qui? Qui s'appelle Claude Fournier. Comment? Il va se reconnaître. Alévèque le connaît. Claude Fournier, il s'occupait de Palmade, il était chez Glem, il s'occupait de Robin, de Bigard. Donc c'était un grand producteur. Il vient me voir. Et à la fin, il reste sur scène. Et j'étais en coulisses. Je dis, viens me voir. Il me dit, il t'appelle. Il est resté dans la salle, il t'appelle. Et j'arrive sur scène et je le vois, il était comme ça. Il me dit.
comme ça. Je peux pas te produire. Il me dit, et il me fait, toi, t'es drôle à 1000% et tes sketchs, c'est zéro. Il me dit, c'est de la merde. C'est pas vrai. Il me dit, fais des trucs sur le foot, le cul. C'est exactement ça, oui, oui. Il me disait ça. J'étais déprimé, donc j'ai rajouté un paragraphe à mon sketch. J'étais déprimé. Et ah, voilà, c'est l'histoire. Genre, 6 mois après. Je venais de gagner le festival performance d'acteur à Cannes, ouais. Et il vient me voir, il me fait « Dani !» comme ça, de loin. Et je lui ai dit « Toi, t'es drôle à 1000%, mais en tant que producteur, t'es zéro. » Dani, vous oui. savez que dans la bande, il y a un clown. Hein? Montre-nous, c'est vrai. Mais qu'est-ce qu'ils font ? Ça y est, c'est bon. C'est un clown triste, c'est vrai. Mais vous aussi, Dani, vous avez un côté clown triste. Mettez ça. Mesdames et messieurs, à mon avis, c'est parti pour une méchante poilade. Christophe, à toi l'honneur. Danny Boone. Quelle histoire! Oh, il y en a qui naissent avec une cuillère en argent dans la bouche. Lui, c'était un bout de métal rouillé. Il y en a, c'est fortune illico. Lui, c'est tétanos d'entrée. Danny Boone! De son vrai nom, Daniel Amidou. Oui, parce que dans le show business, il y en a plein, ils ont les faux noms pour pas qu'on les reconnaisse. Johnny Hallyday, c'est son vrai nom, c'est Jean-Philippe Smet. Voilà. Christine Bravo, c'est Nathalie Folding. Caroline Diamant, c'est Maïté. Gérard Miller, c'est Roger Cascouille. Il y en a qu'un qui a son vrai nom ici, c'est Boulet. Alors Daniel naît dans le nord, mais le nord-nord, hein. Le nord-nord. Plus au nord, c'est le sud de la Belgique. Ouais. Le papa de Dany est chauffeur routier, la maman est femme de ménage, enfin femme de ménage, technicienne de surface privée. C'est le nouveau langage, plus correct, respectueux. On ne dit plus vieux, mais personne âgée. Hein, par exemple, quand, du coup, on dit plus vieux con, mais personne âgée de droite. Bah, on dit plus... Facile. Voilà, si ça continue, bientôt, on dira plus bourré, mais non âgin. Voilà, pareil, on ne dit pas à quelqu'un « Oh, t'as suivi le troupeau comme un mouton, t'as bêlé avec tout le monde !» Tu vois, on lui dit « Ah, toi aussi, t'as voté Ségolène Royal ?» Non ! Je dis ce que je veux, c'est ma rubrique. Alors, Dany est l'aîné d'une famille pauvre. Il apprend à vivre avec rien, s'amuser avec rien, par exemple. Bon, bah, il trouve une assiette vide, il joue à celui qui mange. Hein? Il peut jouer des heures avec un bout de bois. Tu vois, parce que quand t'as rien, ça développe l'imagination. Pour un gamin pauvre, un bout de bois, ça peut être un fusil, ça peut être un bateau, ça peut être un arbre, ça peut être la tour Eiffel. Alors qu'un gamin de riche, toi, il voit un bout de bois, tu lui dis qu'est-ce que c'est, il fait un bout de bois. Oui, c'est vrai. Finalement, les pauvres ont de la chance, mais ne s'en rendent pas compte. Et en plus de tout ça, le petit Daniel, il est super timide. Tellement timide qu'il n'ose même pas répondre au téléphone. C'est... Ça, c'est vrai, ça, hein? Ça, c'est vrai, parce que sinon, il y a beaucoup de conneries dans le texte. Je mélange le vrai et le faux. Voilà, je devrais écrire des discours politiques. Il est tellement timide qu'il n'ose pas répondre au téléphone. Alors, c'est que ça qu'un matin, toute cette famille pauvre a raté la valise RTL à cause de lui. Ben oui! Téléphone sonne. Alors l'autre à la radio. Alors vous êtes bien sur RTL pour la valise. L'appel, la famille à Midou à Armentières. Première sonnerie. Tut. Et l'autre il est là. Téléphone. Oui, je vous rappelle qu'il y a 55 857 francs dans la valise. Deuxième sonnerie. Tut. Et l'autre. Téléphone. Tu vois, et oui, 57 857 francs, hein, 10 mois de salaire pour la famille Amidou. Et le dernier, et bien troisième sonnerie, dans le cul, voilà. Encore bravo, Dany. Depuis, il s'est bien rattrapé puisqu'il a racheté RTL. Et alors, en plus de ça, le petit Daniel est introverti.
Il est désespéré, dépressif. Heureusement qu'en plus, il n'avait pas les oreilles décollées. Si, je les avais. Oui, le petit Daniel a un physique, bon, un physique ingrat. Hein? Mais il était drôle déjà. Ce qui va le sauver. Mais bon, quand t'es ado avec les filles, tu préfères être dans la catégorie « fais-moi jouir » que « fais-moi rire ». Et puis ça, c'est une légende. Les filles, tu les fais rire et hop, excusez-moi, mais non, j'ai beaucoup donné. Non, avec les filles, il faut être un peu hypocrite. Hein? Par exemple, si tu veux faire conclure avec une fille, la fille, par exemple, elle te demande « comment tu trouves ma robe ?» Si tu lui dis ce que tu penses, c'est-à-dire « oh, elle est super moche et te va comme un sac », eh bien, elle l'enlèvera jamais, sa robe. Hein? Par contre, si tu lui dis « oh, elle est ravissante, elle te va à ravir », eh bien, paradoxalement, là, elle l'enlève. Et oui, j'ai remarqué que pour beaucoup d'humoristes, les filles, les boîtes de nuit, ça a été plus une période de torture que de plaisir. Quand je sortais, c'est vrai. Bon, moi, les boîtes de nuit, je n'y vais plus, hein. Je n'y vais plus, en plus, je suis marié, je vais pas aller en boîte de nuit avec ma femme, hein. Bah oui, aller en boîte de nuit avec sa femme, c'est comme aller à la boulangerie avec sa baguette sous le bras. Merci, ça m'excite. Bref, en tout cas, pour Dany avec les filles, ça a beaucoup changé. Hein? Maintenant, à chaque fois qu'il en rencontre une, il lui fait un enfant. Hein? Enfin, pas simplement en la regardant. Hein? Je veux dire, c'est pas l'Albert de Monaco. Hein? Et puis, il n'y a pas que ça qui a changé depuis cette année 85 où il est monté à Paris. Et pourtant, il est le même. Il est le même. Comme quoi, le talent, ça ne change pas un homme, mais le regard qu'on a sur lui. Bravo. Ça, c'est fort. Parce que quelquefois, je peux être trivial et quelquefois brillant. Finalement, je suis un homme complet. Voilà. Continue comme ça, mon Dany. T'es parti de tout en bas, tu vas arriver encore plus haut. Pourquoi? Pour une simple bonne raison, c'est que tu le mérites. Alors, quand même, Christophe, quand même, reconnais une chose. Ça fait un peu plus d'un mois qu'on travaille sur ce samedi sans le patron. Tu n'es pas toujours aussi gentil avec les invités. Mais non, mais moi, Dany, je le connais depuis vachement longtemps. Et dès le début, j'étais sûr, il avait un talent, ça sautait aux yeux dès le départ. Juste la seule qui est faux, c'est que maintenant, je fais des enfants à la même femme. Dany, est-ce que vous croyez que vous allez marquer l'histoire de France? Non, 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 je ne vais pas marquer l'histoire de France. Ce n'est pas dans mes intentions. Tout de suite. Quoi. Tout le monde a entendu parler de Louis XIV et tout le monde a entendu parler de Kamel Wally. Hein? Quel est le point commun entre Louis et Wally? C'est bien sûr le soleil que le Kabyle le plus célèbre de France a mis au service de notre plus grand roi. Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir un elfe d'académie, Sa Majesté Kamel Wally. Laissez-moi ça. Alors là, il faut que tu m'aides. Alors tiens, on va se partager. Toi, tu prends ça. Toi, tu prends ça. Et voilà. Alors, vous venez, mon cher Kamel, pour la sortie du DVD du spectacle Le Roi Soleil, dont vous avez signé les chorégraphies et la mise en scène. Vous avez aussi sorti le livre officiel. Livre officiel du spectacle qui se joue actuellement au Palais des Sports. Et d'ailleurs, oui, ma femme, Yaël, est allée voir le spectacle dimanche. Dimanche dernier, avec une très bonne amie à elle, elles ont adoré. Et il y a eu un compliment, ma femme a vraiment adoré le spectacle. Il y a un compliment qu'a fait son amie qui vit à New York et qui voit beaucoup de comédies musicales américaines. Elle m'a dit, ça m'a réconcilié avec les comédies musicales françaises. Non, c'est pas vrai. Non, mais c'est vrai. Donc, pour terminer, je dis quand même que ce spectacle se joue en ce moment jusqu'au 31 décembre, mais qu'il y a une prolongation. Si j'ai bien compris, jusqu'au 7 janvier au Palais des Sports de Paris. Alors, c'est un véritable carton, il paraît. C'est génial, c'est un retour à Paris avec la même équipe. Il faut que je le fasse plus enthousiaste. Mais oui, un petit peu. Je sais pas, je suis gêné de parler de tout ça.
Mais vous êtes là pour ça, Kamel. C'est on vous invite parce qu'on a aimé ce spectacle. Oui, d'accord. Mais laisse-le vivre s'il veut. Il fait la tête qu'il veut quand même. Tu vas pas commencer à les taper eux aussi. Oui, elle nous oblige à dire les phrases comme ça. Non, mais je suis vachement contente parce que j'ai prévu des questions et tout. Je vais donner la parole à mes copains. Mais pour ceux qui ne l'ont pas vu, on va regarder tout de suite un extrait. Bras dessus, les bras dessous. Spectateurs au spectacle. Énorme. Tu 900 000 spectateurs, c'est énorme. Ouais, c'est un carton énorme. Non, c'est 300 représentations. Une grosse salle, disons. Alors, moi, j'ai vu le spectacle, j'ai vu le DVD, j'ai regardé beaucoup de choses. Moi, je pense que c'est un succès déjà, parce que c'est le roi soleil. C'est quand même notre plus grand roi de France. Il était hors de question que ce soit les Américains qui s'emparent de notre roi. Donc, je pense que ça vient un Français rend hommage à la France. Non, mais sans déconner, et c'est vrai. Temps, et en même temps, normalement, on le monte à Las Vegas. Ouais, ah bah, en plus, c'est cool. Génial. Non, je trouve ça normal. Les Américains rendent hommage. Alors, la deuxième chose, c'est les costumes signés Dominique Borg. Magnifique. Absolument somptueux. Ouais. Mais on est vraiment à la limite du parfait. Tout est beau, les décors, les costumes, les chansons sont bien. Qui ne connaît pas les chansons d'Emmanuel Moir? On les connaît par cœur. Moi, je les ai dans mon MP3, même sur mon téléphone. Pour vous dire, c'était même mon réveil un matin pour me réveiller le matin. J'utilise le Roi Soleil comme réveil. Mais si, c'est mon téléphone. J'utilise le Roi Soleil. N'empêche, je me réveille direct. Non, mais ce que je veux dire, Kamel Wally, il faut rendre à César ce qui est à César. Là, franchement. César, attention, c'est pas Louis XIV. Non, mais. Non mais attends, non mais le truc il est juste, c'est énorme. J'ai jamais vu un spectacle d'une telle qualité. Si vous n'avez pas été voir cette comédie musicale, faut vraiment y aller. Et c'est quoi ta question? C'est un véritable moment de bonheur. J'ai pas de question parce que je rends juste hommage à son travail qui a été franchement colossal. Et c'est un pari qui a été réussi. Donc bravo. Il a renversé son verre. Gérard. Gérard, est-ce que je peux un tout petit peu casser l'ambiance? Oh non, t'as pas intérêt parce que je te casse le DVD sur la tête. J'ai vu Autant n'emporte le vent, j'ai vu les 10 commandements, j'ai pris beaucoup de plaisir. Mais je dois vous avouer une chose, c'est que j'en ai marre personnellement, je suis peut-être le seul, de ces comédies musicales dont les sujets ne m'intéressent pas. Contrairement à Stevie, je me fous du Roi Soleil sur scène. Je me fous. Alors toi, mais comment tu peux régner notre histoire? Je me fous de Cendrillon sur scène. J'adore. Louis XIV, enfin, comment tu peux renier Louis XIV? Mais Stevie, mais Louis XIV. Et s'il vous plaît, 68 arrête, Stevie, quoi. Stevie, arrête, est-ce tu vas que faire peux... des auréoles. Tu vas faire des auréoles. Tu veux mettre 68 sur scène. Je voudrais des sujets... Louis XIV. Laisse-moi une seconde terminer. Je voudrais des sujets qui soient un tout petit peu plus originaux, comme, me semble-t-il, les Américains le font. Moi, j'ai vu une comédie musicale sur le sida. J'ai vu des comédies américaines sur des sujets... J'ai vu des comédies musicales sur des sujets simplement différents. Est-ce que vous croyez que pour faire rêver les gens, pour chanter, pour avoir des beaux costumes et des beaux décors, il faut franchement prendre ces sujets qui sont presque tous des sujets bateaux? Ça fait rêver Stevie, ça ne me fait pas rêver une seconde. Ça fait rêver un million de téléspectateurs. J'aime votre travail que j'ai vu à plusieurs occasions. Est-ce que vous pouvez comprendre qu'on rêve d'autres sujets que de cela? Gérard Miller rêve d'autres sujets. Mais je comprends ça, sauf que moi, à la base, le Roi Soleil, je suis initiateur du projet, et c'était un rêve de gamin. Voilà.
T'as quand même la chance, et Gérard, on a quand même la chance d'avoir un pays qui a une histoire. Nous ne sommes pas les États-Unis. Eux, pourquoi ils traitent ça? Parce qu'ils n'ont pas d'histoire, à part la guerre de Sécession. Mais la Commune de Paris, la Révolution française, c'est aussi l'histoire, mon fils. Autant faire une comédie musicale sur notre passé. Sur la Commune de Paris, par exemple. Mais tu ne peux pas dire que c'est pas français. Je le ferai. C'est vrai qu'à l'époque de Louis XIV, il y avait Marcel Bayeul qui était boulanger et qui était un gars formidable et on parle pas assez de lui. Alors il faisait un bon pain, tu vois. Bon, il est mort assez jeune, hein, parce qu'il est mort d'une carie, tu vois. À l'époque, on vivrait de conneries. Une carie qui a mal tourné, tu vois. Mais on... Oui, Valérie, tu voulais dire. Moi, j'ai regardé le DVD et je veux aller voir le spectacle, s'il vous plaît. Je vais venir parce que c'est magnifique. Et là, quoi. Et là pour le retour à Paris, il y a en plus un orchestre rock, en plus du Quatuor, qui a un vrai spectacle live. Je peux vous demander un truc, c'est normal, votre pull est déchiré. Mais les déchirer même un peu plus. Là, ah, c'est fait exprès. Ouais, c'est fait exprès. Bon, comme ma mère dirait, tu payes pour ça. C'est fashion. C'est fashion. Ah, out la vieille. C'est pour ça que tout à l'heure. Non, elle est pas out la vieille. Kamel, j'ai entendu dire que vous étiez incollable sur Louis XIV. Et moi, il se trouve. Ça fait longtemps ça. Je suis parti sur un autre spectacle. Alors moi, ce qu'on m'a dit, c'est que vous aviez exigé que tous les gens de votre troupe soient à peu près rencardés sur le Roi Soleil et si possible, connaissent. Surtout sur leur personnage. Sur leur personnage. Alors j'ai préparé un petit quiz sympa. Vous allez tous jouer. Tu veux bien jouer, Gérard? Vous allez tous jouer et Dany aussi. Vous allez jouer. À quel âge Louis XIV a-t-il pris son premier bain? Ouh là là. À 9 ans. Non. 14 ans. À 10 ans. Non. À 20 ans. Il était adulte. À 20 ans. 40 ans. 75 ans. 5 ans. Il n'a jamais pris de bain. Il n'a jamais pris de bain. À 17 ans, Christine. 7 ans. 7 ans. Réponse, Kamel. Il n'a jamais pris de bain. Non, 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 c'est Dany qui a dit ça. Il a pris un bain à 5 ans. Je l'ai dit, 5 ans. À 5 ans, c'est toi. Alors, à sa naissance, il a juste été nettoyé avec des serviettes. Et son premier bain à 5 ans. Il faut savoir que c'était des crados, hein, ces mecs-là. Ah, oui. Je sais pas si dans Pourquoi la comédie. Les perruques ? Parce qu'ils avaient pas de tif. Ça se voit dans la comédie musicale qu'ils sont sales ? Non. Bah... non. L'étiquette exigeait que le roi se lève et fasse ses besoins dans un seau en public, devant ses médecins et une poignée de privilégiés. Ça, vous le savez. Que faisaient les médecins quand le roi avait fini ? Il sentait. Dany. Non, je sais pas. C'est très scato. Il touillait, pire. Il goûtait. Il sentait. Non, il goûtait. Pire. Il goûtait. Il goûtait les selles parce que ils examinaient et goûtaient les excréments. Pour voir s'il était pas malade. Pour s'assurer que le roi n'était pas malade. Je vois pas d'ailleurs comment on peut trouver que. Ben voilà, faisons une comédie musicale sur un gars qui goûte le caca de roi. Il faut lire d'ailleurs le fabuleux Louis XIV de Michel Degrèce qui s'appelle Le Roi Soleil, c'est extraordinaire, vous l'avez peut-être lu. Non, non. Et ben voilà. Quoi ? C'est un pavé. C'est un petit pavé. Pourquoi est-ce qu'on peut dire que le roi et son frère ne chassaient pas dans la même catégorie? L'un était homosexuel et l'autre était hétéro. L'autre aimait les femmes à fond la caisse. Et l'autre ? Était homo. Oui ? Monsieur, frère du roi. Il y a un des personnages qui joue le frère du roi. Sans blague. Ouais. Bah oui. Ah donc, c'est... Bah donc vous le saviez. Oui. Et bah bravo, t'as trouvé. Bah non, j'ai raté tout ce que j'ai. Alors, Kamel, vous êtes un homme très occupé. Vous vivez à 1000 à l'heure. 2000, c'est écrit 2000. Hein, c'est écrit 2000. Ouais, t'as dit 1000, mais tu l'as juste enlevé 1000 km/h. Pourquoi, on ne sait pas. Alors... À 2000 à l'heure. Ouais. Eh bien, dans notre bande, on a aussi un Speedy Gonzalez, sauf que lui, en plus, il s'incruste partout, ce qui s'appelle partout. Cette semaine, il s'est invité dans votre vie. D'ailleurs, on en a appris de belles à votre sujet, Kamel. Je laisse la parole à notre mini-cum préféré. J'ai nommé Jérémy Michalak. Bonjour Jérémy Michalak. Alors, je vous ai suivi toute la semaine, Kamel, en fait, je vous ai espionné. À commencer par le lundi. Alors lundi, qu'est-ce qui s'est passé? Alors on y va. Lundi, Kamel, vous partez de bon matin en direction du château de la Starac pour donner votre premier cours de la semaine. Un cours auquel je n'ai malheureusement pas pu assister car il faut le dire, l'entrée du château est une vraie forteresse. Impossible de pénétrer dans l'enceinte de l'école et je me suis d'ailleurs fait choper par les gardiens. Alors voilà, on se demandait ce qu'étaient devenus Michel et Georges Alain. Et bien ils sont devenus chefs de la sécu dans le château.
Alors, Michalak. Merci Christine. Mardi, pour. Mardi, vous recevez un coup de fil de Domatia, le producteur sur Talonnette du Roi Soleil, à qui vous donnez secrètement des cours de danse. Et oui, persuadé d'avoir fait d'énormes progrès, Dove veut à tout prix vous épater avec sa nouvelle chorégraphie sur Michael Jackson. Et ça vaut le détour là aussi. On a tous reconnu Domatia là-dedans. Mercredi est une journée que Kamel consacre aux bonnes œuvres. En effet, il a monté l'association SOS Kamel, qui vient en aide non pas à ceux qui n'ont plus de clopes, mais à celles et ceux qui sont victimes de la danse, car chaque année, des centaines d'êtres humains souffrent de Bruno Vandellite. Et oui, cette maladie qui vous fait croire que vous êtes super malaise en danse, alors qu'en fait, pas vraiment. Et ne vous croyez pas à l'abri, car cette pathologie peut toucher tout le monde, comme par exemple cette jeune fille. Qui se donne vraiment l'impression d'assurer sur les podiums de boîtes de nuit, qui se dit « gars du monde, on me regarde, je me lâche moi aussi ». Et je me lâche un peu trop. Voilà le résultat. Cette jeune fille n'est pas à l'abri non plus, regardez. Elle a l'impression de faire un truc super sexy et c'est un peu loupé. Et le must, c'est ce garçon qui veut impressionner les jeunes filles sur le balcon en face. Il se dit, je me la raconte. Allez les filles. Et voilà. Jeudi, Kamel, vous partez assister en avant-première aux répétitions du spectacle de Mathieu Gonnet, le pianiste officiel de la Starac, qui nous propose un récital très moderne de son répertoire classique, revisité au piano à queue. Alors, on le reconnaît pas bien, mais c'est une sorte de sosie approximative. Et vous allez voir que le mot piano à queue prend tout son sens. Regardez comme c'est fort. Ils jouent avec... Non. C'est pas vrai. Ils jouent avec leur queue. Et le mystère reste entier, il vaut peut-être mieux. Vendredi. Décidément, Kamel, vous ne vous arrêtez donc jamais, car le vendredi, vous officiez dans un club très privé de la capitale où vous dispensez des cours de striptease. Bien sûr, votre clientèle est essentiellement constituée de novices et de jeunes femmes qui veulent apprendre les règles de base de la sensualité, mais parmi vos élèves, on compte certaines célébrités, comme par exemple Christine Bravo. Et oui, encore. C'est celle qui bouge le mieux. Alors bien sûr, là, vous dites, oui, bon, il y a encore les sous-vêtements, il y a encore le soutien-gorge, il y a encore le string. Vous voulez voir Christine toute nue? Oui. Oui, toute nue, complètement à poil. Oui. Et dans l'effort. Non. Ah bah c'est cadeau, allons-y. Non, j'en ai marre de ça. J'en ai marre. C'est malin. Merci d'abord, Jérémy Michalak. Je rappelle, Kamel, que votre DVD... Je rappelle, Kamel, que votre DVD, le spectacle Le Roi Soleil, est sorti le 9 novembre et que le livre Le Roi, le Soleil, c'est le livre officiel... Ça tombe bien, c'est le livre, allez donc. Oui, le livre officiel. Et alors, je vous le dis, c'est un livre qui raconte pas du tout la vie du Roi Soleil, mais bien l'aventure collective de cette comédie musicale. C'est vous tout savez montage, tout. Ouais. Voilà, c'est une biographie du spectacle c'est que ça. Vous avez mis en scène. Merci infiniment. Donc, Le Roi Soleil, je vous l'ai dit tout à l'heure, est toujours au Palais des Sports. Et vous avez des prolongations jusqu'au 7 janvier, donc à Paris, et après en tournée dans toute la France. Ouais. Merci Kamel, on a passé Merci un moment très Merci. Agréable. Merci, au revoir. Je rappelle que Dany est là parce que son DVD, le DVD de son spectacle Weka, est sorti le 14 novembre et c'est son spectacle de l'Olympia qui est absolument irrésistible et qui a le mérite de me réconcilier avec ma petite fille chérie quand il y a de l'eau dans le gaz. Ce qui est bien, c'est que quand il y a de l'eau dans le gaz, t'es là et tout s'arrange. Ben voilà, un coup de fil, j'arrive et voilà. C'est vrai? Hein? Et mais dis donc... Parce que je crois savoir que tu habites dans mon quartier. Non, plus maintenant. Mais comme j'ai un enfant supplémentaire qui arrive, j'ai dû déménager. Parce que t'avais... travaux, alors. Oui, parce que t'avais un tout petit appartement. Pas très grand.
avec ma femme, 4 enfants, ça commençait à être un peu juste. J'arrive pas à t'imaginer en papa sévère. Ah si, si, attention. Non, attends, vas-y, comment tu fais? Va à la cave. Alors, Dani, est-ce que c'est normal? Parce que c'est vrai que depuis que je te connais, t'as un regard un peu hébété. Enfin, je veux dire, c'est gentil. Non, surpris. Attends. C'est pas du tout un regard d'idiot, mais si tu veux, t'as l'air un peu lunaire, tu vois. Tu fais un peu... Et je me demande si t'es comme ça dans la vraie vie ou si c'est une posture que tu prends quand t'es en public ou si t'as toujours ce regard un peu illuminé. Illuminé, ouais. Hébété. Non, je me fais... Ouais. C'était pour ma transition. Ah oui. Quand notre cœur fait boum. Et cette semaine, Gérard Miller a eu du boulot. En effet, cher Dani, tu es un personnage assez déconcertant. On sait jamais si tu es dans un état normal ou si tu joues l'idiot. Pour un psy, j'imagine que c'est du lourd. Voilà pourquoi Gérard Miller s'est régalé cette semaine. C'est tout. De tous les invités que nous avons accueillis cette année le samedi avec vous, Christine, vous êtes le premier, cher Dani Boon, à évoquer la psychanalyse que vous avez suivie et à dire à quel point elle vous a aidé. Grâce à elle, expliquez-vous, le brouillard s'est levé autour de moi. Elle m'a permis de mettre un échafaudage dans mon cerveau, de faire des travaux dans mon inconscient. Maintenant, je cohabite mieux avec moi-même. Mais si la psychanalyse vous a apporté ce que vous appelez une liberté intérieure, elle n'est pas la seule. Que vous remerciez régulièrement. En effet, dans votre panthéon personnel, à côté de Sigmund Freud, figure en bonne place un autre bienfaiteur, le rire. C'est grâce à l'humour, dites-vous, que vous vous êtes réconcilié avec vos souffrances passées, que vous avez dynamisé l'angoisse qui vous tétanisait. Rire et faire rire, voilà la seconde thérapie que vous avez suivie. Eh bien, il y a, me semble-t-il, une troisième thérapie. Et j'espère que vous ne m'en voudrez pas de l'évoquer ici. Votre troisième thérapie, me semble-t-il, ce sont les femmes. Je m'explique. Tous ceux qui, comme moi, vous connaissent un petit peu, sont frappés par l'attachement que vous avez pour votre épouse, Yaël. Attachement est le mot exact. Si vous êtes quelque part, elle y est également. Pas une interview, pas une photo, pas un pas sans elle. Pour la trouver, lorsqu'on la cherche, il suffit de partir de votre épaule, de suivre votre bras, d'arriver à votre main. Celle qui la tient, c'est Yael. C'est vrai. Alors, cela étant, sans lui faire offense, je remarquerai qu'elle est loin d'être la première à avoir occupé pour vous cette place. Sans même évoquer votre précédente compagne, elle-même aussi omniprésente, c'est un fait que vous avez prospéré depuis toujours sous le regard des femmes. À vos débuts d'ailleurs, votre public, on l'a oublié aujourd'hui, vous avez conquis évidemment la France entière, votre public était essentiellement féminin. Et après tout, n'est-ce pas parce que vous arriviez dans votre enfance si sombre à l'éclaircir un petit peu en faisant rire votre mère que vous êtes arrivé jusque-là? Yaël est mon miroir. C'est une phrase que j'ai lue de vous, je la trouve formidablement juste. Yaël est votre miroir. Vous qui n'aimiez pas votre image, chaque fois que vous vous regardez dans la glace, c'est votre femme que vous voyez. Alors le matin, quand vous demandez « miroir, miroir, toi qui vois tout et qui sais tout, dis-moi qui est la plus belle », votre miroir qui a tout compris de vos angoisses vous répond « mais c'est toi, Dani ». Alors, je le dirai clairement, et vous allez me dire si je me trompe, autant qu'à la psychanalyse et qu'à l'humour, c'est au regard des femmes que vous devez ce que vous êtes aujourd'hui. Bravo, Gérard. Alors, réponse, les amis. Oui, c'est vrai que la psychanalyse a été très importante, a été une grande découverte dans ma vie et que à un moment donné, j'ai compris que la scène n'était pas on ne peut pas se soigner sur scène, quoi. C'est pas possible. La scène, c'est un partage, c'est une réparation. Je me réconcilie avec l'humain, en fait, en faisant rire, et je répare en faisant rire de choses pas drôles, en fait. C'est pour ça que j'ai commencé à parler de la déprime, à faire rire avec la déprime, parce que c'est une manière de réparer, quoi. Je suis très heureux avec Yaël. C'est une femme absolument magnifique. Ah oui, elle est tendre. Je tu peux pas imaginer qu'elle soit pas à côté. Non, mais elle a une grande générosité. Elle est,
c'est elle me rend beau. C'est, et, oui, elle, non mais c'est vrai, elle me rend beau. C'est vachement joli ce que tu dis. Non, mais c'est vrai. Si mon mari, enfin mon mari, j'en ai pas, mais si un homme, ça y est, je suis un jour peut-être. Ouais. Elsa, tu voulais dire. Oui, parce que j'ai lu dans la presse que vous racontiez la rencontre, votre première rencontre avec votre épouse. Vous l'avez rencontrée dans une boîte de jazz de Megève. Ouais. Vous étiez confinés dans un super carré VIP et elle, malheureusement, là c'est un peu la loose, elle était de l'autre côté. Et alors, comment vous avez fait pour l'approcher? Parce que finalement, c'est horrible, quoi, d'être une célébrité et de ne pas pouvoir aller parler à la personne la qui femme nous plaît. Parce que le patron, j'arrive pour voir le concert de jazz et le patron me saute dessus en me disant Bobby Boom, voilà. Souvent on m'appelle Bobby Boom. Et il me dit, c'est vrai. On m'appelle souvent Bobby Boom. Ouais. Ah bon? Il y a moins de B dans mon nom, faut le dire. Et donc il m'emmène, il me dit carré VIP. Voilà. Je dis non, voilà. Et je vois Yaël au bar et je lui dis non, je vais aller au bar. Il me dit non, pas vous, allez, Bobby. Je dis non, au bar. Et il voyait que je regardais Yaël. Et il est allé lui parler en disant, vous voulez rencontrer Danny Boone? Et elle a fait, ça va pas, non, non. Elle s'en foutait royalement. Et j'ai trouvé ça formidable. Elle était avec quelqu'un, d'ailleurs. Elle a quitté quelqu'un pour toi? Non, elle a quitté quelqu'un pour moi, oui. Enfin, elle était depuis peu avec quelqu'un qui est parti, qui s'est barré avec ses copains, je sais plus où, en Amérique du Sud. Et voilà. Et elle a dit, je peux venir? Elle a fait, non, c'est un truc entre mecs et tout ça. Et ben, il est resté entre mecs. Ça, c'est bien! Bravo, Yaël! Bravo! Là-dessus, on va passer au tac à finir. Le principe du tac à finir, eh bien, je vais vous montrer des extraits d'interviews de célébrités. Ils commenceront leur phrase. À vous de trouver la suite, chers petits camarades. Et évidemment, Dany, lui, devra mimer les réponses pour les aider. Alors attention, regarde. Toi, tu as la réponse et tu dois mimer la réponse. On écoute. Le premier tac à finir, c'est Daphné Roulier qui interroge Arthur sur la compétition entre animateurs vedettes et elle use d'une métaphore, disons, virile. Regardez. C'est pas un peu à celui qui va montrer la plus longue, c'est pas un peu puéril? Écoutez, je sais pas qui a la plus longue, mais je sais qui... Qui a la plus grosse? Qui a la plus belle? La plus belle. La plus belle. Qui est la plus belle? Bravo, qui l'a dit? Bravo Gérard. Réponse d'Arthur. À celui qui va montrer la plus longue, c'est pas un peu péril? Écoutez, je sais pas qui a la plus longue, mais je sais qui a réussi à avoir la plus belle. Voilà, bravo! Deuxième caca, Bernadette Chirac raconte les manies de son mari, le président de la République, et de leur rapport dans l'intimité. Regardez. Je crois que c'est un peu un jeu aussi chez lui. En réalité, comme vous le savez, c'est le matin, dans la salle de bain, qu'il est disponible et que je peux... Discuter. Négocier. Non, lui donner ses messages. Bravo, Caroline Diamant. Lui passer. Effectivement, on écoute la réponse de Bernadette. En réalité, comme vous le savez, c'est le matin, dans la salle de bain, qu'il est disponible et que je peux lui passer quelques messages. Donc tous les matins, vous dites à votre mari, par exemple, la dissolution, c'est pas une bonne idée comme ça? Oh ben, pas tous les matins, non. Pas tous les matins. Et enfin, Danny Boone raconte sa première expérience de la notoriété. Ouais. Regardez. C'était un des premiers autographes que j'ai signé. Et dans le métro, on m'a aussi reconnu, un petit gamin, très gentiment, qui me regardait en disant « Ah !» Je lui ai dit « C'est chouette, il me reconnaît. » Et à la station, il me fait « Vous avez une belle voiture. » Mais non, à la station métro. Que dit l'enfant à Danny Boone? Où tu les as eu, tes oreilles de Mickey? Est-ce qu'il vous a appelé par un autre nom? Tu es Dumbo. Il vous a pris pour quelqu'un d'autre? Ouais. Alors, il est pris pour le prince Charles. Un autre humoriste. Le prince Charles. Pour un boxeur. Non, un coureur. Mime, allez. Qu'est-ce que c'est? Pour un danseur. Non, pas Zidane. Non. Un footballeur. Oui. Un footballeur. Barthez. Non. Maintenant, pour un cas de cheveux. C'est un maintenant. Est-ce que les filles peuvent trouver? Il est plus... Il est... Je vais aider, il est entraîneur. Ah, je sais, Deschamps. Non. Non. Guérou. Non. Non, Guérou, c'est bien. Christophe Deschamps, non, je sais. Non, je sais, Luis Fernandez. Non, alors pas du tout. Mais enfin, les garçons. Le Antigana. Antigana. Il est pas entraîneuse, Pocahontas, non? Qui est dans un bar. Il est très connu il était dans les Guignols, par exemple, très souvent. Ah, Jean-Pierre Papin. Bravo. C'est Jean-Pierre Papin, on écoute, alors. C'est chouette, il me reconnaît, et à la station, il me fait « Jean-Pierre Papin !»
Et donc j'ai fait un autographe. Et donc j'ai signé l'autographe Jean-Pierre Papin pour pas le décevoir, quoi. Le DVD du spectacle Weka est sorti le 14 novembre. Je crois qu'autour de cette table, on l'a tous apprécié. On s'est beaucoup amusé. Merci, Dani. Je me suis vraiment amusé. Je crois que mes petits camarades aussi. Merci à vous. Merci. Je vous embrasse. On se retrouve la semaine prochaine. N'oubliez pas Lolo, Laurent Ruquier ce soir. Dans On n'est pas cliché. Aux alentours de 23h et des poussières. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine avec Gérard Darmon. Je vous embrasse, salut.